présentatrice emblématique du programme Dance Machine, diffusé sur M6 pendant les années 90, Ophélie Winter sera de retour incarner le 30e anniversaire de l'émission. La chanteuse va ainsi animer un prime time intitulé Dance Machine, 30 ans, la soirée événement, diffusée le dimanche 28 mai 2023 sur W9. Pour fêter les 30 ans de l'émission culte Dance Machine, Ophélie Winter rouvre la plus grande discothèque du monde le temps d'une soirée au cœur du Dôme de Paris. Il y a 30 ans, M6 lançait Dance Machine. À la fois concert géant et émission de télé, le show accueillait les stars de la scène dance devant près de 20 000 personnes dans une ambiance hystérique. Pendant une quinzaine d'éditions successives, Dance Machine a accompagné l'histoire de la musique en recevant les plus grandes stars du moment et artistes de demain, a annoncé la chaîne du groupe M6 dans un communiqué. Ophélie Winter, en 30 ans, la chanteuse a beaucoup évolué physiquement. 30 ans plus tard, Ophélie Winter reprend les commandes de l'événement le plus dense et nostalgique de l'année. Les artistes qui ont marqué l'émission ont répondu présents pour interpréter leur plus grand tube de l'époque, Corona, Docteur Alban, Tania Evans, Culture Beat, World's Apart, Billy Crawford, Organize, Poetic Lover. De nombreuses images d'archives vont vous replonger dans les moments les plus marquants de Dance Machine, a également dévoilé W9. À l'occasion de ce 30e anniversaire, Closer a décidé de retracer l'évolution physique d'Ophélie Winter au fil des années, en ressortant de ses archives plusieurs anciens clichés de la chanteuse. À propos de l'auteur Clément Machetto, passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal+, Koh-Lanta est pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui, le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Point. Ces derniers articles. Victor Wembanyama, le prodige du basket français, va-t-il encore grandir? Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort. Maïté Nabir Aben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher.